Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'association d'un briquet Zippo et d'un couteau pliant dans un style américain des années 1930. Commençons par le célèbre Zippo, un briquet à essence fabriqué aux États-Unis depuis 1932 et toujours fabriqué de nos jours. Ici, un exemplaire contemporain avec une très belle version en acier poli. Et en commémoration des modèles des années 30, les stries dans les coins. Donc avec cet exemplaire, on a un exemplaire caractéristique des hippos des années 30. Avec ce zippo, j'ai choisi de vous présenter ce petit couteau pliant, donc un slim joint, construit par le coutelier américain Tim Britton. Donc j'ai déjà présenté ce couteau sur la chaîne. Il s'agit d'un couteau à cran plat avec donc la lame en acier qui se marie parfaitement avec la finition de notre zippo, tout comme les mitres avant et arrière du couteau. Quant aux plaquettes, il s'agit de bois de cerf. Donc une finition qu'on rencontrait énormément dans les années 30. Ici, nous avons le couteau fermé, qu'on imagine tout à fait dans une poche aux côtés de notre zippo des années 30. Nous avons donc avec ces deux pièces un ensemble très cohérent dans un style américain de l'entre-deux-guerres. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.